Je vais vous raconter la terrible histoire de Grand-mère Cal, une sorcière qui hante l'océan Indien. Son vrai prénom, c'est Inami, elle est née plus moche qu'un manche de pioche. Un vilain petit canard qui n'a jamais eu d'attache ni d'amis. Fallait la voir pour le croire le soir, on aurait dit un démon fantôme dans le brouillard. Même de dos, elle faisait peur avec sa sale caboche. Sa grand-mère lui demandait d'arrêter de répéter sa phrase préférée. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Grand-mère Cal, quelle heure il est? Grand-mère Cal, quelle heure il est? Car c'est en bossine qu'un jour elle s'était imaginée. Mais au lieu de se faire des amis, elle les a traumatisés. L'enfant était rêveuse, elle croyait aux contes de fées. D'ailleurs, son arrière-arrière-pépé aurait dû la fiancer. Mais il n'a pas survécu à la vue de sa future femme. Il a préféré se jeter dans les flammes plutôt que de vivre ce drame infâme. En perdant l'être aimé, Inami fut couverte de spasmes. La passion et la pression l'ont fait passer d'ectopascal à ectoplasme. Inamicale est devenue inamicale, comme un volcan tropical, elle a pété. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Des mots à ne pas prononcer. Si grand-mère Cal est arrivée avant minuit, t'es calciné. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Des mots à ne pas prononcer. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Grâce à six voix causées sans ciller. Si grand-mère Cal est arrivée avant minuit, où les poquets? Grand-mère Cal, quelle heure il est? Gratte à six bois, causé sorcier. C'est donc comme ça qu'a commencé l'horrible vie d'Inami Cal. Une jeune femme possédée, possédant un super pouvoir anormal. Mais qui va l'employer à se venger des hommes qui l'ont rejetée et détestée. Aujourd'hui elle est partout, dans vos rêves de pouvoir et de bijoux. Attention! Inami Cal veut vous voir en enfer. En enfer. Chaque fois qu'un enfant est atteint de cancer, c'est de la faute de Cal qui veulent dévorer à sa manière. Pour en faire sa petite sœur ou son petit frère. Comme gardien volcan, le roussant sans couleur. Quand il y arrive, il sent que son grillet sans l'odeur. Trop tard pour prébondier, pas besoin bâtard. Lupin arrive dans son caraïou les poignets. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Des mots à ne pas prononcer. Si grand-mère Cal est arrivée avant minuit, t'es calciné. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Des mots à ne pas prononcer. Grand-mère Cal, quelle heure il est? Grâce à six voix causées sans ciller. Si grand-mère Cal est arrivée avant minuit, où les poquets? Grand-mère Cal, quelle heure il est? Gratte à six bois, causé sorcier. Oh, oh, oh.